Enfin, il y a quoi? La Chine s'est toujours opposée au comportement hégémonique des États-Unis qui généralise le concept de sécurité nationale, l'abus de pouvoir d'État et la suppression d'une manière peu raisonnable des entreprises d'autres pays. Nous espérons que la partie américaine respectera sérieusement les principes de l'économie de marché et d'une concurrence juste, tout en se conformant aux règles de l'économie et du commerce international et en fournissant un environnement commercial ouvert, juste et non discriminatoire aux entreprises étrangères désireuses d'investir et d'exercer leurs activités aux États-Unis.